Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Fishtique en Espagne. Je vous invite à aller voir les 3 premiers épisodes si vous ne les avez pas vus, où nous avons attrapé des énormes perches, des vrais ballons de rugby. Dans chaque épisode, il y en a. Aujourd'hui encore, ce sera pêche, mais aussi petite visite guidée des caves. Si vous voulez plus d'informations sur le camping du Port Massaluca, vous avez qu'à regarder dans la description de la vidéo. Vous allez y retrouver un lien pour toutes les informations nécessaires. Je remercie le Port Massaluca de leur invitation. Je remercie Yvan, notre guide, de nous avoir guidés à tout ce séjour. Alors Yvan, tu sais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve comme type de relief ici dans les environs? Alors en fait, si tu veux, donc là on est dans une région qui s'appelle Terra Alta, qui veut dire terre haute, donc c'est une zone à montagne, petite montagne, c'est pas les Pyrénées, mais c'est les Pré-Pyrénées qu'on va dire. Donc il y a pas mal de collines, de trucs comme ça, c'est des pierres calcaires, dans sa grande majorité. Après on retrouve quelques zones argileuses, mais c'est surtout des pierres calcaires. C'est une zone avec beaucoup de faune, on a énormément de faune en tant qu'oiseaux, on a aigles, faucons, vautours. Dans sa majorité, après hérons, cormorans, voilà. Donc sangliers, chèvres sauvages, de temps en temps on voit quelques chevreuils, des loutres aussi, on en voit de temps en temps quelques loutres. En termes de prédateurs, on va dire, il y a donc perche, sandre, black bass et silure. Le pêcheur espagnol est un pêcheur de basse à la base, c'est des très très bons pêcheurs de basse, mais par contre il délaisse un peu plus tout ce qui est perche et sandre. Donc en termes de saison pour la pêche, tout dépend de ce que vous recherchez, mais pour le sandre, tout ce qui est persidé, le mieux c'est de fin septembre à mi-décembre. Après tout ce qui est silure, moi je recommande fin mai, début juin. Le bass, on est plus sur mars-avril. Et après en octobre aussi, il y a pas mal de basses à faire. En France, moi qui suis français, je sais qu'il y a une fermeture du carnassier, du salmonidé, tout ça. Donc c'est une bonne option de venir ici pendant cette fermeture parce que d'une, ça va vous permettre de pêcher du carnassier. Ici en Espagne, il n'y a pas de fermeture, jamais. De deux, normalement ça ne coïncide pas avec la période de reproduction, donc du coup on va pas déranger quoi, la faune. Et c'est une très bonne époque de pêche, donc voilà, je vous recommande de venir pendant la fermeture française. Il y a vraiment du poisson à faire et bien s'amuser et pouvoir tremper nos lignes. En plus on est en Espagne, donc en France là, ça commence les genoux commencent à claquer, vous vous gelez, mais ici on est à 20 degrés, on prend le soleil avec un mojito sur la terrasse. Voilà. Excellent. C'est une zone rurale où il n'y a pas grand monde qui y vit, donc ils vivent beaucoup de l'agriculture, amandier, olivier, cerisier, fruitier en général. Et c'est une zone à vin, donc c'est la Terra Alta qui est connue dans le monde entier pour ses très bons vins. Depuis le camping, il y a moyen d'organiser des visites dans les caves à vin de la zone, de pouvoir aller déguster. Et c'est quelque chose de très sympa à faire, qui change du séjour de pêche classique où on fait que pêcher. Et là, nous, ce qu'on veut transmettre, c'est un séjour où bien sûr il va y avoir de la pêche, mais il n'y a pas que ça. Il y a la gastronomie, il y a la culture de l'endroit, il y a tout ça. Bon, trêve de bavardage, nous allons maintenant à la pêche. Poisson. Ouais. C'est un sandre, mais il n'est pas gros. Moi, je crois pas, non. Pote. Wouhou! Yes! Super! Moi je vais me reconvertir à la verti, moi je fais des poissons qu'en vertical. Bon, alors ce qui est cool ici, c'est que comme il y a toutes les structures de fond, on peut faire de la pêche en lancer ramené dans 4-5 mètres de fond. On peut pêcher des zones shallow, mais on peut aussi pêcher des zones comme ici où on est à entre 8 et 12 mètres de fond. Et on peut aller pêcher en vertical, comme ce sandre qu'on vient de la capturer. Alors le mieux pour les sandres qui sont pêchés plus en profondeur comme ça, c'est de leur donner une bouffée d'oxygène pour qu'ils repartent bien vite en profondeur. Ça se fait comme ça. Voilà, allez, Lise. Alors ça c'est l'espèce... Donc voilà, sandre moyenne d'ici. C'est à peu près, c'est la taille moyenne, voilà. On en a 50, ça fait 50 à peu près. Il y en a des beaucoup plus gros, pas en moindre quantité, il y en a énormément de cette taille-là. Mais par contre, il y a quelques monstres. Moi, mon record, il est à 1,3 m. Et voilà, mais la grande majorité des poissons sont de cette taille-là. Voilà. 1,3 m. Ouf. Et ouais, poisson d'une vie. Ça c'est clair ça. Allez. Hop. Voilà. Boum. Un brochet. Il est beau quand même. Alors, si jamais un jour vous allez pêcher avec un guide de pêche et que vous voulez connaître ses meilleurs spots, la technique qu'on applique maintenant est une technique très connue en fait. Pour avoir les meilleurs spots d'un guide, on le fout en compétition et il finit par aller pêcher au meilleur endroit qu'ils connaissent et on n'a plus qu'à regarder où c'est. Que le meilleur gagne hein. Nous on déménage dans l'autre bateau. Hein. Eh les gars, bonne chance mais surtout amusez-vous bien. Ouais. C'est le principal. Je sais pas si c'est un arbre ou un banc de poissons mais... Il y a du monde et c'est un poisson bleu. Ouais. Allez, tu veux, j'ai pas de truc. C'est ça. Ah bah, je venais de voir à l'écho blindé de fiches. Je savais pas si c'était poisson ou pas. Ça a l'air joli quand même, les gars. Ça a l'air joli. Ouais, grosse perche. Grosse perche. On n'en a pas d'épuisette, c'est vrai. J'espère que vous avez kiffé ce petit trip de pêche en Espagne et que ça vous a fait découvrir les lieux. On a essayé de vous faire partager un petit peu notre expérience. On a essayé de vous partager ce qu'on peut faire en dehors. Voilà, je viens de m'accrocher dans le fond. Là, c'est vraiment fini de chez fini. Parce que toi aussi, t'es accroché dans le fond. Donc là, voilà, on en a marre. Et donc, j'espère que vous avez pu apprécier aussi ce qu'on a fait en dehors. Hein, parce que nous, ce qu'on aime bien aussi, ce n'est pas que de pêcher. C'est aussi de découvrir de nouvelles régions, de nouveaux lieux. Et ici, le fait d'avoir été visiter un peu les villages d'à côté, bah, c'était vraiment chouette. C'est une très, très belle région. Donc là, on est entre l'Aragon et la Catalogne et c'est vraiment super beau aussi, c'est super des paysans. Allez, on vous dit à tous à la prochaine, c'est Hélène, ciao.